Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice sur un point très spécifique du programme donc de Terminal Spécialité maths, ce qu'on appelle les formules de polarisation. Alors on est dans le chapitre du produit scalaire et on a démontré dans une autre vidéo de cours hein, ces formules. Donc elles sont ici, il y en a deux. Il y a aussi deux autres choses à connaître pour les démontrer, c'était les développements de u plus v, enfin la norme de plus v au carré et norme de u moins v au carré. Et on va ici, au travers d'un petit exercice, utiliser ces formules. Alors l'exercice que je vous propose, c'est exercice assez classique. Hein, on part d'un parallélogramme, alors on, on se place dans l'espace, mais on pourrait faire le même exercice dans le plan. On a A, B, C et D. Et nous, qu'est-ce qu'on connaît Eh bien, on connaît la longueur AB, qui vaut 6, la longueur AD, qui vaut 7, et on connaît la longueur AC, qui vaut 10. D'accord Alors, dans l'exercice, eh bien, on va essayer, donc... De déterminer une mesure de l'angle BAD, donc ici, d'accord Et on essaiera aussi, on réussira même à calculer la longueur ici BD. Et cela grâce aux formules hein, qu'on a vues, donc en cours. Donc on est parti. Alors je finirai par une figure sur GeoGebra. Donc on fera une figure dans le plan, une dans l'espace. C'est à peu près la même chose, hein, sauf que les cercles dans le plan auront leur équivalent qui seront des sphères. Et donc première question. Calculer donc ici un produit scalaire, le produit scalaire AB.AD. Ce qu'il faut absolument remarquer tout de suite dans le sujet, c'est que le vecteur AC, c'est égal au vecteur AB plus AD. Autrement dit, hein, AC c'est la somme de AB et AD. En physique, c'est comme si AC c'était la résultante des forces AB et AD. Donc ici, quelle formule nous permet de faire une somme? Eh bien, c'est là, vous voyez, c'est la première formule de polarisation. Je vais la renoter, c'est celle-ci. Donc, c'est celle qui, dans sa formule, fait apparaître U plus V. Donc U scalaire V, c'est égal à 1 demi de norme de U plus V au carré, moins norme de U au carré, moins norme de V au carré. Et on va prendre ici U égale donc au vecteur AB et V est égal au vecteur AD. Et on va appliquer tout simplement cette formule. J'obtiens donc AB scalaire AD, ça tombe bien, c'est ce que je veux, qui sera donc égal à 1,5, multiplié par, donc, norme de U plus V. Bien, U plus V, c'est AC, d'accord Donc, ça fait norme, donc, de AC au carré, de par, oui, de AC carré. Ensuite, moins norme de AB au carré, Moins norme de AD au carré. On va doucement. Voilà. Alors, il se trouve que la norme de AC carré B, c'est la longueur AC au carré. La norme de AB, c'est la longueur AB. Donc, ça fait AC carré moins AB carré moins AD carré. Et ça tombe bien parce que ces trois longueurs, on les a. D'accord Ça fait 1 demi fois AC carré. Donc, 10 au carré moins 6 au carré moins 7 au carré. Ça me donne donc 1 demi de 100 moins 36 moins 49. Alors, 36 et 49, ça fait 85. Il me reste donc 15 ,5. Vous voyez comment on utilise cette première formule de polarisation Elle permet de calculer un produit scalaire quand on a comme ça une configuration en forme de parallelogramme et qu'on a ici la somme des deux. Deuxième question. Déterminer alors une valeur approchée à 0,01 degré près de l'angle BAD. Alors, ça, c'est assez classique le calcul d'angle quand on a du produit scalaire. Il faut savoir que AB scalaire AD, on peut le calculer avec une formule trigonométrique. C'est longueur AB fois longueur AD fois le cosinus de l'angle, justement, géométrique BAD. D'accord Alors, nous, on a le produit scalaire, on a AB, on a AD. On aura donc grâce à ça le cosinus de BAD. Ça veut dire que cosinus de BAD, c'est donc le produit scalaire qu'on a trouvé, 15 demi, divisé par AB fois AD, c'est-à-dire 6 fois 7. On obtient donc 15 demi sur 6 fois 7, 42. Ça fait donc 15 demi fois l'inverse de 42. Et on obtient alors ici, ça se simplifie par 3. Donc on, on simplifie par 3, ça fera 5, et ici 14. Il me reste donc 5 sur 28. Donc pour calculer BAD, pour avoir une valeur approchée, on va utiliser la fonction de la calculatrice arcosinus. Mais il faut bien paramétrer en degrés ici. Donc vous allez dans le setup de votre calculatrice. Hein, si elle est en radian, vous la remettez en degrés. Voilà, et donc vous tapez arcosinus, donc cos 1 ici.

Troisième question. Maintenant, on nous propose de déterminer la longueur BD en utilisant un développement ici. Alors, BD, on ne l'a pas. D'ailleurs, ça serait pratique d'avoir BD pour pouvoir tracer le triangle ABD. Comme ça, on pourrait faire la figure. Parce qu'avec AC, ce n'est pas évident de faire la figure. Donc, pourquoi on nous parle de AD moins AB Il se trouve que AD moins AB, en vectoriel, si j'enlève le moins, ça fait AD plus AB. BA. Donc ça fait BA plus AD. Et donc ça fait BD en vecteur. Donc si vous voulez calculer BD carré, vous allez calculer la norme de BD au carré. Et donc la norme de AD moins AB. Et voilà pourquoi on a la norme de AD moins AB au carré. Alors comment calculer ça Eh bien on va utiliser les identités remarquables qu'on a déjà démontré donc en haut et celle qu'on va utiliser c'est u moins v au carré donc on a dit quoi que AD moins AB en vecteur au carré c'est donc norme on va appliquer vraiment directement norme de AD carré moins deux fois le produit scalaire AD AB plus la norme de AB au carré alors norme de AD carré c'est donc longueur AD au carré Moins 2 fois mon produit scalaire AD, AB. Alors attention, nous on a calculé ABAD, Mais vous savez que le produit scalaire est commutatif. Donc on peut inverser, ça fait deux fois AB, AD. Plus longueur AB carré. On a tout, on n'a plus qu'à remplacer. AD, c'est 7, donc 7 au carré 49. Moins 2 fois mon produit scalaire qui vaut demi Plus AB carré qui vaut 36. Ça me fait donc. 49 et 36 ça fait 85 moins 15 et 85 moins 15 ça fait 70. Conclusion, BD carré vaut 70. Ça veut dire que BD vaut donc racine carrée de 70. Et c'est sa valeur exacte. Voilà, maintenant je vous propose de faire ça sur Géogébra. Alors on va faire deux choses en même temps. À gauche on aura le plan du sol c'est-à-dire z égale 0, et à droite la vision spatiale. Donc je vais placer deux points déjà, A donc, et B, alors on va les placer en moins 3 et 3, de façon à avoir une longueur AB qui vaut 6. Vous voyez que dans l'espace, il se place instantanément, vous voyez, c'est très pratique. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire On doit donc placer un point D qui est à 7 cm de A. Donc ce que je vais faire, on va se placer dans l'espace, et dans l'espace, je vais faire une sphère. De centre A et de rayon 7. Et donc mon point D, il est sur cette sphère. Vous voyez cette sphère, elle est là. Et ici, dans le plan, je vais tracer un cercle de centre A et de rayon 7. Donc ça, c'est l'équivalent. Donc à gauche, plan, et à droite, c'est donc dans l'espace. Deuxième chose, mon point, maintenant, D, je sais que BD est racine de 70. Donc, partant de B, je fais un cercle de rayon racine de 70. Donc square root, sqrt 70. Voilà. Et donc je vais choisir. Hein. Alors vous voyez que les, tout se fait hein, sur le dans le plan, vous voyez à droite, c'est joli, on a les deux cercles ici qui sont tracés. Et je vais désigner l'intersection qui est ici. Voilà. D'accord Et elle s'est mise hein, ici dans l'espace. Donc ça, alors ça c'est appelé C, moi je vais l'appeler ici, ça sera mon point D. Voilà. Donc regardons un petit peu ce qui se passe droite donc ici voilà, vous voyez que vu de haut on a notre dessin de gauche ok on a notre point d qui est ici il faut maintenant notre point c alors on sait que on a un parallélogramme donc je vais utiliser des vecteurs donc vecteur le vecteur ab le voici vous voyez qu'il s'est mis dans l'espace tout seul alors on va tout de suite mettre un petit peu de couleur que tout le monde y voit clair. Donc euh, un vecteur je vais le mettre en vert. Et hop, voilà. Donc le voici. Et je vais faire une translation. Du... Donc je vais translater le point D d'un vecteur AB. Donc ici, objet représentant. J'indique mon vecteur et je fais une translation. Voilà. J'obtiens un point D' qui n'est autre que le point C. Voilà ici on ne va pas mettre les noms sur les vecteurs ça surcharge un petit peu voilà ensuite je peux maintenant tracer mon parallélogramme ABCD donc ici polygone voilà AB voilà et je vais mettre un petit peu de couleur voici alors je vais enlever ici le plan hein, du sol voilà et donc vous voyez à droite hein, on a bien notre parallélogramme hein, on est sur une figure dans l'espace. Hein. Par contre, finalement, tout se passe dans le plan du sol. Alors, on va quand même vérifier un petit peu tout ce qu'on a fait. Alors ici, on va vérifier que AC doit faire 10. Donc, segment AC, voilà. Longueur annoncée à gauche, 10. Hein, on a bien AC qui vaut 10. Ensuite, l'angle BAD. Bien ici, vous indiquez. Cet objet, vous indiquez le segment AB, le segment AD et l'angle ici, 69,71 degrés, c'est exactement ce qu'on a trouvé. Il faut bien comprendre aussi à droite que j'aurais dû faire une sphère de centre B de rayon racine de 70, ça aurait donné ceci. Juste pour vous montrer. Ici, donc je trace une sphère de rayon racine de 70. Voilà. Donc je vais changer la couleur parce que c'est un petit peu foncé. Voilà. Et en fait, ces deux sphères que vous avez à droite, ici, elles se coupent. Vous allez voir, c'est très joli. Alors sur GeoGebra, vous avez intersection de surface. Vous indiquez vos deux sphères. Donc celle que je viens de faire et ma première sphère. Voilà. Et vous avez comme ça, vous voyez qui est apparu un cercle. L'intersection de deux sphères, c'est un cercle. Ici, vous voyez. Notre cercle ici coupe ici le cercle de départ au point C. Donc c'est assez joli. un hein, GeoGebra c'est vraiment un outil formidable, donc je vous encourage à l'utiliser. Vous voyez on peut faire comme ça le parallèle entre ce qui se passe dans un plan et ce qui se passe dans l'espace. Les cercles sont des sphères hein, et ainsi de suite. des hein, choses qui ne changent pas, c'est par exemple les parallélogrammes, hein, ce sont c'est la même notion, hein, d'accord? Et les translations, eh c'est les mêmes choses dans l'espace et dans le plan. Donc c'est pareil pour le produit scalaire. Donc voilà pour cet exercice, hein, sorte d'exercice d'appropriation des formules, en quelque sorte, des formules qui ne sont pas faciles, qu'on qu n'utilise on pas tous les jours. Vous voyez qu'elles servent. Elles peuvent servir comme ça dans un programme à calculer des longueurs auxquelles on n'avait pas accès avant. Voilà, on fera d'autres exercices pour encore utiliser ces formules, parce que ça permet de travailler, vous avez vu, le produit scalaire et les propriétés du produit scalaire. La, hein, la commutativité, U scalaire c, V -scalaire U, les distributivités par rapport à l'addition, la soustraction, les identités remarquables. Et donc, c'est un exercice assez joli. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. À très bientôt. Et pour ceux que ça intéresse, hein, je vais mettre le fichier GeoGebra, comme ça vous pouvez regarder un petit peu si ça vous intéresse, évidemment. À bientôt.